Because I know somewhere deep down in my heart, I still love you. Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la meilleure classe de Dofus, qui pour ma part est sans aucun doute les Nutrof. Alors effectivement il faut savoir que bon, j'ai longtemps hésité, enfin non, on va dire j'ai un tout petit peu hésité entre le Kra et les Nutrof. Alors je vous arrête tout de suite parce que je sais que vous allez me dire il n'y a pas de meilleure classe de Dofus. Je parle pas forcément de la meilleure classe, je parle de la classe la plus utile, la plus polyvalente, celle qui est la plus utile en tout cas en team, que ce soit en PVM ou en PVP. Pour ma part, les Nutrof, alors bon, c'est sans doute la classe à mes yeux qui est celle qui joue le plus, celle qui a le plus grand rôle dans une team sans doute. Pourquoi est-ce que je vous dis ça et puis pourquoi est-ce que je fais cette vidéo maintenant? C'est assez simple, en fait avant je n'avais pas des Nutrof. Et bizarrement, lorsque j'ai créé les Nutrof, eh ben, j'ai réussi à faire tomber l'arène des voleurs, j'ai réussi à faire le Nida, j'ai réussi à faire tout un tas de donjons, le Protozoaire également. C'est pour ça que les Nutrof jouent un rôle extrêmement important. Alors, déjà, ils jouent un rôle important, bon, à travers ces sorts, franchement, c'est tous ces sorts ont une utilité, on va dire, qui est vraiment importante. Rien que son sort Corruption, voilà. Le fait de pouvoir passer un tour à un ennemi, je suis désolé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Surtout lorsque vous jouez à 8 et qu'il reste que l'ennemi en face. Lui faire passer son tour et ensuite jouer vos 8 persos, c'est quelque chose d'énorme. Ensuite, le retrait PM de les Nutrof. Alors bon, effectivement, c'est vrai que dans plein de mes vidéos, je dis à chaque fois, les Nutrof, franchement, c'est celui qui ralentit les mobs adverses, c'est celui qui fait que on prend pas de dégâts, et c'est pour ça que franchement les Nutrof pour moi ça représente sans doute le perso le plus utile dans une team. Son retrait PM, je suis désolé, attendez, maladresse 1 PA jusqu'à 17 PO en plus portée modifiable, qui peut retirer 3 PM, sachant que bon mon Nutrof a 160 retrait PM et donc je retire vraiment des PM extrêmement souvent. 1 PA moins 3 PM, 3 fois de suite. Enfin bon, pas sur la même cible, heureusement, parce que sinon ce serait du viol, évidemment. Mais quand on peut retirer moins 3 PM comme ça, c'est limite une flèche 50 inesquivable du crack comme à l'époque. Alors effectivement, ça. Effectivement, bon, l'adresse c'est un sort qui est esquivable, mais. Un PA, c'est quoi un PA en fait? Bah, c'est rien du tout. C'est pour ça que je dis ça, franchement, c'est juste hallucinant. Et après, hein, évidemment, pelle du jument. Alors bon, c'est vrai que là, maintenant, c'est 4 PA, effectivement. C'est 12 PO, mais 12 PO, ça reste juste énorme. C'est juste maladresse qui est une PO hallucinante. Ensuite, pourquoi est-ce que les... Déjà, la question, c'est pourquoi ça serait les Nutrof et pas une autre classe? Je vais vous répondre tout de suite. Corruption, voilà. Les Nutrof est la seule race à pouvoir faire passer un tour à un ennemi. Dites-moi d'autres races qui peuvent le faire. Il n'y en a aucune, absolument aucune. Les Nutrof a également un pouvoir de debuff. Pelle fantomatique, c'est énorme. Avoir du debuff dans sa team, c'est énorme. Le Pandawa en a, pardon. Le Roublard en a. Sauf que le Roublard doit mettre un certain tour, il me semble que c'est 2 tours minimum, pour pouvoir debuff d'un seul tour. Parce que bon, après, il me semble qu'au bout de plusieurs tours, après, je crois que ça peut être moins 2 tours de debuff, moins 3 tours. Le Pandawa a un sort de debuff, mais qui est quasiment corps à corps. Voilà, il y a quoi d'autre qui peut debuff? Le Sadida, qui peut debuff, il me semble, de moins 4 tours. Alors, effectivement, lui, c'est assez énorme. Mais sauf que lui, il ne peut pas le faire à tous les tours.
Contrairement à Nitrof, en plus lui c'est 3 PA, je crois que le Sadista. Alors je sais pas si le nouveau Sadista c'est 4 PA ou c'est 3 PA, je sais absolument plus. D'ailleurs je sais même plus s'il peut encore debuff, mais il me semble que si. Franchement, il n'y a pas tant de races que ça qui peuvent debuff. Alors je parle notamment des debuffs de l'ennemi, effectivement. Je préfère, hein, bon, parce qu'après il y a encore Lenny Ripsa avec Mojuvance qui est un petit peu assez cheaté. Hein, bon. 3 PA, tu peux debuff jusqu'à 4 personnes par tour, je crois. Ou même 3, je sais plus trop. Ensuite, mis à part le debuff, le retrait PM, la corruption, le fait de passer un tour à l'ennemi, il y a également les sorts de boost. Franchement, les Nutrophes, c'est la race la plus complète qui est au jeu. Celui qui me dit l'inverse, c'est vraiment que je sais pas, il pense Yop, c'est-à-dire il pense qu'à bourriner. Non, quand je parle de meilleure classe, je ne parle pas du Rox. En plus que, croyez-moi qu'il y a des Nutrophes qui s'en foutent d'air et qui ont un Rox, mais je vous dis pas, hein, c'est des Yop. Hein. Bon, après, il y a les O, il y a également les feux d'ailleurs, en pas de greffe. Pas de greffe quoi déjà? Séculaire, je crois. Ils peuvent vraiment faire extrêmement mal. Mais moi, je pense plutôt à une trophe plutôt retrait PM, enfin qui est plutôt polyvalent dans le genre. Je tape un petit peu partout. Ensuite, les nutrophes, mis à part le retrait PM, le debuff, la corruption, il y a également des sorts de boost qui sont même plutôt énormes. Cupidité, 150 puissance. Alors, certes, c'est pour tout le monde, c'est également pour les ennemis, oui, mais c'est pendant quand même 2 tours. Et 150 plus, je dois vous avouer, franchement, c'est vraiment pas mal. Ou en crit, c'est 160. Ils auraient peut-être pu faire un effort, je sais pas, 200. Ce serait pas mal. Ce serait encore plus cheaté d'ailleurs. Et les Nitrophes, de plus de son râle de PM, il a également la râle PO. Et oui, les amis. Et également le retrait PA. Donc, c'est un perso qui est sans doute le plus complet à mes yeux. Alors, effectivement, j'ai hésité avec le crabe. Pourquoi le Kra? Parce que le Kra, il peut râler la PO, les PA, les PM. Il peut faire reculer son adversaire. Il peut taper en zone. Il peut regagner de la vie. Il peut vraiment taper très très fort avec les flèches. Puis il a des boosts de malade. Il peut donner de la PO en zone. Bref, le Kra, c'est un deuxième Inutrophe. Sauf que l'Inutrophe a un sort que personne n'a. C'est corruption. C'est ce sort en fait qui fait que. Pour ma part, je trouve que c'est sans doute la classe la plus polyvalente. Alors effectivement, quand on parle de meilleure classe, c'est à mes yeux, c'est la classe qui a le plus d'utilité, que ce soit en team ou même en PvP. Je suis désolé, bon, voilà, quand vous faites du PvP, quand vous faites des attaques de perco, est-ce que vous prenez un Inutrophe? Parce que quand vous avez un Inutrophe et qu'il y a un Yop par exemple en face qui est full boosté, l'Inutrophe il arrive, il fait corruption, Yop, tu fermes ta gueule. C'est vraiment. Je suis désolé, c'est un petit peu la réalité. C'est exactement ce qui se passe. Quand les Nutrophes est là, en général, on a peur de lui parce que il a le pouvoir de faire passer un tour. Et croyez-moi, un tour d'un personnage qui est full boosté, que ce soit un Ekaflip ou un Yop, ça change toute la donne. Ensuite, bon, alors, effectivement, on parlait de cupidité, mais il a également chance qui peut donner jusqu'à 300 de puissance. Donc, bon, en général, celui-là, on le donne au Yop, hein. C'est des full boostés. Et ensuite, bah après, bah, il tape des cocos à 8000, tout simplement. Bon, en plus, ça donne de la fuite, mais ça. Bon. La fuite, c'est pas aussi important que ça, comparé aux 300 de puissance. Alors, bon, après, il a effectivement des sorts de rocks, hein, comme Force de l'âge, et en plus, qui enlève de l'esquive PM. Ça, c'est vraiment super. Je vous conseille vraiment de le monter si vous avez une Nutrophe. Ensuite, alors, effectivement, le Yop. Le Yop. Pourquoi le Yop? Non, je vais parler des Nutrophes. Des Nutrophes. A également en fait un sort de regain de vie. Alors effectivement, bon, l'intervalle de relance est assez conséquent, tous les 3 tours, et ça rend quand même 8% des PDV. Malheureusement, il y a un petit hic, c'est qu'en fait ça enlève 20 retraits PM, bon, seulement pendant un tour, donc ça va. En crise, c'est moins 15. Bon, voilà. Il y a quand même un sort qui lui permet de regagner de la vie, donc c'est ce qui est le plus important. Et sans doute l'un des meilleurs sorts de l'Inutrophe avec la corruption évidemment et la maladresse, accélération. C'est tout simplement un sort hallucinant, un sort tous les 3 tours. En crit, vous pouvez donner jusqu'à 5 PM sans ligne de vue à une PO hallucinante. Ça, quand vous le donnez à un Yop. Et avec pendant le cul du panda, il y a tout simplement 15 PM le machin, 15 PM, 16 PA, full boosté, je vous laisse imaginer les dégâts.
Sinon, alors, effectivement, les nutrophes dans son ensemble, c'est une classe qui peut tout faire. C'est pour ça que je parle de meilleure classe. Je parle pas de meilleure classe, encore une fois, en ce qui concerne le ROX, en ce qui concerne le soin, en ce qui concerne que le retrait. Non, je parle d'une classe, c'est sans doute la classe la plus polyvalente du jeu avec le CRA. Après, effectivement, il y en a qui me diront, oui, les K-Flip, c'est pareil. Il a un ROX énorme, il a un soin énorme. Peut également retirer des PM, sauf que bon, ce retrait de PM est assez limité puisqu'il faut qu'il tape son adversaire en mur, enfin sur le mur, donc il faut qu'il lui fasse des dommages de poussée, il me semble, c'est avec des syndicats flip. Donc bon, ça, on s'en fiche un petit peu. Alors après, les nitrophes, évidemment, il peut retirer des PA, de la PO, des PM, il peut debuff, il peut faire passer un tour à un ennemi ou bien même à un allié, d'ailleurs, ça peut aussi soigner, il peut booster. Également se protéger. Et oui, il peut se protéger, bah comment? Avec sac animé. Et je dois vous avouer que le sac, franchement, vu les résistances qu'il a, bon, en général, on évite de taper le sac, hein. On essaie plutôt de taper les nutrophes, sauf si les nutrophes ont plus de résistance. Bon, alors c'est vrai que le sac n'a pas tellement de points de vie, 660, mais 660, je trouve que c'est vraiment pas mal, 660, surtout pour 2 PA. Surtout que bon, ça peut protéger pas mal de personnes. Alors bon, c'est vrai que l'intervalle de relance de 5, il me semble qu'avant c'était 3 tours dans la 1.29, je crois. Bon, mais ça reste un sort de protection vraiment très correct pour 2 PA, y a pas de souci. Alors maintenant, passe également sans doute un des sorts les plus qui peut on va dire qui peut tout changer dans un combat, c'est la retraite anticipée. On est tous en état pesanteur et on a tous moins 100 PM. Effectivement, c'est un petit peu casse-couille pour tout le monde, sauf si vous faites une attaque de perco, que vous êtes full cry nutrophe, ça doit être assez marrant, je pense. Vous faites une retraite anticipée, vous tapez tous à distance. Imaginez, il n'y a que des Eka Flip, des SRAM, des Kras en face. Non, pas des Kras, plutôt des Yop. Et vous allez tout simplement les tour shot. Sinon, je crois avoir fait le tour de franchement de tous les sorts qu'il avait. Bon, après, il y avait également les sorts de ROX, hein, dans cette pièce. Franchement, 17 de PO, c'est énorme, c'est tellement énorme. Franchement, ouais, j'ai parlé de tous les sorts. Bon, après, il y a Ramblay, hein, ça tape également en zone. Bon, voilà, les Nutrophes peuvent tout faire. Actuellement, c'est sans doute la meilleure classe dans le sens où elle peut quasiment tout faire. Elle se soigne, elle retire de la PO, des PA, des PM, elle débuff, elle fait passer un tour, elle a des boosts de malade, elle tape sans ligne de vue. Quoi d'autre? Elle tape en zone, elle a des invocations qui permet, par exemple, d'ailleurs j'ai oublié, l'appel animé qui permet de déplacer l'ennemi en plus de 3 cases, il me semble. Franchement, c'est vraiment énorme, quoi. Et en plus, l'Introphe a également des sorts de protection avec le sac animé. Donc tous ces sorts ont une utilité, alors bon, il y a des sorts par exemple comme le Kra qui font que de roxer. Flèche explosive, flèche punitive, flèche persécutrice, il y en a plein. Donc voilà, bon, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Pour ma part, hein, je trouve que les nutrophes, ça apporte un gros plus. Avant, quand je n'avais pas de nutrophes, je galérais un petit peu plus dans les combats parce que je n'avais pas de retrait PM. J'avais certes mon Kra, mais les nutrophes, comparé au Kra, c'est n'importe quoi. Maladresse, moins 3 PM à chaque fois, c'est juste énorme. Ça permet de ne pas se faire taper et ça permet donc de gagner le combat le plus facilement. Enfin bref, voilà, c'était Joystick. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle classe vous pensez Enfin, en tout cas, quelle classe qui, en tout cas, d'après vous, est la meilleure en ce moment. Enfin, même bon, depuis toujours. Pour ma part, je pense que c'est l'Ultrafe, en tout cas, qui apporte un réel... Un réel aspect positif, que ce soit en team, en PVP ou bref, peu importe, hein, Nutrophe est là et en tout cas je pense qu'il sera toujours là pour tout simplement simplifier les combats, donner des boosts, la corruption hyper utile, le retrait PM hallucinant. Et bon, il a également le debuff qui est une chose assez énorme. D'ailleurs, le coffre animé, j'en ai pas parlé, mais lui aussi permet de debuff également de trouver des personnes invisibles.
Petite dédicace au SRAM hein, qui avait zappé ça. Enfin bref, voilà, c'était Joystick. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire donc dans les commentaires si ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like. Je vous dis à demain 14h. Enfin non, je vous dis plutôt à tout à l'heure. Entre 17h et 20h, je vous sortirai une deuxième vidéo bonus. Donc voilà. Sinon, je vous dis à demain 14h. Ciao les gars.